Oui, chers et chers camarades, permettez-moi à mon tour de remercier votre organisation, le PAMÉ, pour son invitation et son soutien sans faille à l'ensemble des luttes qui sont menées en France, en Europe et dans le monde. Beaucoup de choses ont été dites avant moi par Mathieu et les camarades qui sont intervenus. Mais permettez-moi de peut-être prendre quelques minutes pour analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, notamment dans le cadre de la lutte que nous menons contre la réforme des retraites, mais tout ce que notre cher président nous a annoncé comme réforme à venir. Πριν από μένα πολλά ανέφερε ο σύντροφος ο Μαρχέ, αλλά επιτρέψτε μου να πάρω να καταναλώσω λίγο τον χρόνο για να σας πω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε τι συγκυρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κίνημα εναντίον του αγώνα εναντίον της εξωτερικής πολιτικής. Nous menons un mouvement qui, dans sa durée et sur sa forme, est très certainement inédit. Quatre mois quasiment de combat, Mathieu l'a dit, hein, des grèves reconductibles sous toutes les formes possibles et imaginables, des millions et des millions de travailleurs, de jeunes, de retraités, de précaires, de femmes, dans les rues, en manifestation, dans les actions. Σχεδόν τέσσερις μήνες λοιπόν αγώνα, τα είπε και ο Μαρχέ, με όλους τους τρόπους που μπορεί να φανταστεί κανένας, με όλους τους πιο εφάνταστους τρόπους. Εκατομμύρια νέων, γυναικών, ανέργων, ανασφάλιστων στους δρόμους εναντίον αυτού του στερεοτυπικής μεταρρύθμισης. Des milliards d'euros perdus par le patronat. Εκατομμύρια ευρώ χαμένα για την εργοδοσία. Un président et son gouvernement complètement discrédités. Ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του είναι τελείως, έχουν παραμείνει χωρίς κύρος, τελείως. Illégitime. Παράνομο. Délégitimé. Έχει απονομιμοποιηθεί. Et pourtant, un président, un gouvernement et un patronat qui s'entêtent non seulement à imposer cette réforme, mais qui nous annoncent c'est qu'ils vont finir de s'occuper de nos services publics, de nos hôpitaux, de ce qu'il reste d'industrie dans le pays, tout ça pour garantir non seulement le plus haut taux de profit possible aux actionnaires des grands groupes, j'allais dire français, mais du CAC 40, mais c'est des groupes internationaux aujourd'hui, et la continuité d'une politique, de politique publique qui consiste à gaver d'argent public les actionnaires pour faire en sorte que les dividendes qu'ils se partagent soient le plus possible, au détriment de tout ce qui fait l'intérêt général. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τα κέρδη των μεγάλων μετόχων, των μεγάλων πολιτικών που είναι απλωμένοι σε όλο τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και για να συνεχίσουν όλες τις πολιτικές εις βάρος του καλλιτικού λαού, εις βάρος του γενικού συμφέροντος του λαού μας. Cette situation créée à la fois ben, par le gouvernement et le patronat, mais y compris par le niveau de riposte que nous avons su créer, fait qu'aujourd'hui notre pays est quasiment à un point de bascule. Notre pays aujourd'hui est quasiment à un point de basculement. Mathieu le disait, on est sorti du cadre de la République démocratique pour en arriver à un système qu'on pourrait qualifier un minimum d'autoritaire, mais qui en réalité est en train d'ouvrir en grand les portes du fascisme dans le pays. Ο Μαθιέ το είπε προηγουμένως, ότι έπεσε το προσωπείο της δημοκρατίας.
μπορούμε να πούμε ακόμα ότι ανοίγει και η πόρτα για τον φασισμό στη χώρα μας. Et nous le savons tous, dans l'histoire, aucun gouvernement capitaliste n'a hésité à donner la main aux fascistes dès lors qu'il a été contesté au point de perdre le pouvoir. Γιατί και στην ιστορία το ξέρουμε ότι καμία καπιταλιστική κυβέρνηση δεν δίστασε να τίνει τη χείρα της, να δώσει το χέρι της στους φασίστες για να διασφαλίσει την εξουσία της. C'est donc dans ces conditions que nous devons continuer le combat. Οπότε μέσα αυτές τις συνθήκες εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Trouver les bonnes formes pour à la fois peser sur l'économie, faire perdre de l'argent au patronat. Να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να μπλοκάρουμε την οικονομία, να χάσει λεφτά η εργοδοσία. Et dans le même temps, permettre la participation au plus grand nombre à la contestation. Και ταυτόχρονα να επιτρέψουμε την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή μαζών στις κινητοποιήσεις. C'est donc l'ensemble des organisations syndicales, politiques, associatives qui portent le progrès social qui sont interpellées et interrogées dans la situation. Οπότε το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων που βρίσκονται στον αγώνα καλούνται να δώσουν απάντηση σε αυτό το πλαίσιο. Avec parfois le doute ou la peur qui peuvent habiter certains, et la nécessité pour nos organisations ouvrières, et particulièrement la CGT, d'être à la hauteur des enjeux de la période. Οπότε η ανάγκη για τις οργανώσεις μας και ειδικότερα για τη δικιά μας οργάνωση, τη ΣΕΖΕΤΕ της Γαλλίας, είναι να βρισκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών. Et c'est pour ça que il nous semble en tout cas nécessaire et utile de mener de front à la fois la contestation très concrète de la réforme et des politiques menées par le gouvernement, encore une fois, au service, à la solde des actionnaires des grandes entreprises. Οπότε είναι λοιπόν απαραίτητο να αμφισβητήσουμε την εξουσία της συγκεκριμένης κυβέρνησης που είναι μισθωμένο όργανο των μετόχων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Tout en poussant partout la réflexion concernant la société nouvelle dans laquelle il nous faudra vivre à un moment donné, une société débarrassée du capitalisme. Αλλά ταυτόχρονα προβάλλοντας την εναλλακτική, τη διαφορετική κοινωνία που θέλουμε, τη νέα κοινωνία, ελεύθερη, που θα είναι ελεύθερη από τον καπιταλισμό. C'est ce que nous appelons, nous, à la CGT, la double besogne. La double besogne. Είναι αυτό που λέμε εμείς μέσα στη CGT, η διπλή δουλειά. Cette double besogne, nous devons la mener non pas de façon identitaire, mais parce que c'est une nécessité absolue. Και το κάνουμε αυτό γιατί είναι μια απόλυτη ανάγκη. Créer les conditions de les arrêter et créer les conditions de se débarrasser du capitalisme et d'imposer une société nouvelle dans laquelle l'être humain sera au cœur de toutes les préoccupations. Από τη μία πλευρά λοιπόν να τους φρενάρουμε, να τους σταματήσουμε και από την άλλη να ξεφορτωθούμε αυτό το απάνθρωπο σύστημα, να ξεφορτωθούμε τον καπιταλισμό. Cette tâche, si elle peut sembler difficile, compliquée, μπορεί να φαντάζει δύσκολο και σύνθετο, elle nous semble malgré tout atteignable, parce que nous ne partons pas de rien. Αλλά μας φαίνεται πάνω απ' όλα εφικτό. Nous l'avons pour nous l'histoire. Mais nous avons surtout, surtout, dans la dernière période, pour nous, le niveau d'engagement des travailleurs, de la jeunesse, une prise de conscience, comme rarement dans l'histoire récente nous avons connu, du fait à la fois que le capitalisme nous vole, du fait que nous sommes les producteurs de richesses, et du fait que nous pouvons faire autrement, dans le sens du progrès social. Έχουμε λοιπόν πολλή ιστορία και ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε ότι την τελευταία περίοδο, στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας, είχαμε τη μεγαλύτερη εμπλοκή νεολαίας και εργατών σε κοινωνικές κινητοποιήσεις. Και αυτό μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου μπήκε στον αγώνα και ταυτόχρονα ότι εμείς είμαστε η παραγωγή του πλούτου. Σας ευχαριστώ.
C'est avec tout ça que nous allons continuer le combat. Οπότε με βάση όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Le combat contre la casse de nos industries. Τον αγώνα ενάντια στην τάξη που μας καταστρέφει. Contre la casse de nos services publics. Ενάντια τον αγώνα ενάντια στην τάξη που δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Contre la mainmise de la finance internationale sur notre pays. Ενάντια στην παρέμβαση του διεθνούς κεφαλαίου στη χώρα μας. Et nous allons faire tout ça non pas pour avoir le socialisme en France et en profiter tout seul. Et probablement, si nous faisons le socialisme en Gallie, nous ne nous ferons pas seulement nous, nous ne le ferons pas seulement pour nous. Mais bien pour nous permettre de faire de la France le moteur de nouvel ordre mondial, où la coopération entre les peuples, l'amitié, la paix, la solidarité et la fraternité seront les seuls maîtres mots. Αλλά για να κάνουμε την Γαλλία μια άτιμο μηχανή φιλίας, ειρήνης, αδελφότητας μεταξύ των λαών όλων του κόσμου. Accepter qu'au nom du profit, on se retrouve dans un pays comme le nôtre, Mathieu l'a rappelé, sixième puissance économique mondiale, avec plus de 10 millions de pauvres, 13 millions de précaires énergétiques, des milliardaires qui perdent des scores de dividendes reçus toutes les années. Depuis 2008, la crise financière, les 40 plus grosses entreprises, c'est-à-dire les 40 plus grands groupes français, ont réalisé des scores financiers toujours meilleurs que l'année dernière. Et ça, sans discuter. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε πλέον να ζούμε σε μια χώρα τόσο πλούσια, τα είπε και ο Ματιέ προηγουμένως, σε μια χώρα τόσο πλούσια, με τόσες πρωτοπαραγωγικές δυνατότητες, τις οποίες όμως όλοι οι καπιταλιστές και οι ιδιοκτήτες του πλούτου γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι. Από το 2008 και τη μεγάλη οικονομική κρίση έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται με φρενήρις ρυθμούς. Il est un sujet sur lequel il devient, y compris, urgent de changer de société, de renverser ce gouvernement. Ça peut paraître utopique, mais nous savons que si nous gardons ce gouvernement, cette orientation-là, jamais il ne fera le moindre effort pour arrêter la guerre en Ukraine. Jamais il ne fera le moindre effort pour arrêter la guerre en Ukraine. Le budget de la défense, on parle de défense, mais en réalité, c'est un budget d'attaque, c'est un budget de guerre, a explosé. Les ventes d'armes ont explosé. Il y a chez nous des profiteurs de guerre qui semblent être pleins de poches. 400 milliards sur 5 ans de budget de la défense. Cet argent-là, il manque pour financer nos retraites. Il manque pour augmenter les salaires. Il manque pour réindustrialiser le pays. Il manque pour maintenir nos services publics à un haut niveau de, j'allais dire de rendement, mais ce n'est pas de rendement, de prestation. Donc cet argent-là, c'est une façon aussi pour eux de nous déposséder. Από την άλλη, η κυβέρνηση δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια για να βοηθήσει τον λαό της χώρας μας. Αντίθετα, τι έγινε, η πώληση όπλων, οι πωλήσεις όπλων εκτοξεύτηκαν, οι αγορές όπλων. Η κυβέρνηση άφησε όλο τον προϋπολογισμό άμυνας στα 400 δις. Οι μισθοί, αντίθετα όλα αυτά τα χρήματα δεν δόθηκαν σε μισθούς, δεν δόθηκαν σε συντάξεις, δεν δόθηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεν κάνει τίποτα για να στηρίξει επιτυχία στο λαό. Donc on a besoin de leur lever la main à tous, avant qu'ils fassent sauter la planète et qu'ils écrasent la plupart des classes ouvrières dans le monde. Οπότε, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να τους πάρουμε τα χέρια από τα μέσα παραγωγής για να σώσουμε την κατάσταση. Ça, c'est les objectifs que nous assignons dans la situation que nous avons en France aujourd'hui. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος, ο σκοπός που έχουμε μπροστά στη συγκυρία που βρισκόμαστε.
Et si nous ne voulons pas le socialisme pour nous tout seuls, nous savons aussi qu'on ne mettra pas le capitalisme à l'échelle de la planète tout seul. Και όπως λοιπόν ακριβώς σας είπα πριν ότι δεν θέλουμε το σοσιαλισμό μόνο για μας, έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό ούτε μόνοι μας. Aussi, il est bon toujours de rappeler que la première des choses qu'on se doit entre travailleurs, c'est la solidarité. Επίσης είναι καλό να θυμόμαστε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ισχύει μεταξύ των εργαζομένων είναι η αλληλεγγύη. Et pour la rendre effective cette solidarité, on a besoin de partir de tout ce qui nous rassemble, de notre condition d'exploiter, mais du fait aussi que les exploiteurs sont les mêmes partout sur la planète. Είναι ένα όπλο αποτελεσματικό μεταξύ των εκμεταλλευόμενων όλου του κόσμου. Et c'est pourquoi nous devons être les uns les autres, non seulement solidaires, mais acteurs de toutes les luttes. Qu'elle soit dite petite ou grande, sachant qu'il n'y a ni petite ni grande lutte. Chaque grain de sable qui viendra s'ajouter aux autres finira par gripper la machine capitaliste et la mettre complètement. Aussi, pour ne pas être trop long, je voudrais vraiment vous dire à quel point, et Mathieu vous l'a fait ressentir, à quel point pour nous, dans la période, tout ce qui a pu être fait ici en Grèce comme dans les autres pays, à l'initiative de la FSM, à l'initiative d'organisations syndicales du monde entier, combien ça nous a été précieux, combien ça nous a été utile. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ήμασταν πάρα πολύ κρίσιμοι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, το έκανε και πριν ο Ματιέ, για όλη τη βοήθεια και την αλληλεγγύη που μας δείξατε όλη την προηγούμενη περίοδο και να σας ευχαριστήσω για αυτή την αλληλεγγύη που μας δείξατε στους αγώνες. Tout ce qui a pu être fait, ça nous a permis de voir dans les yeux et des gouvernants et des patrons un sentiment de peur qui, pour nous, en tant que travailleurs, nous fait énormément de bien. Énormément de bien parce que la peur peut changer la planète. Nous sommes le nombre, nous sommes les producteurs de richesses. Les seuls qui doivent avoir peur de quelque chose, ce sont ceux qui vivent à nos dépens et que nous gavons. C'est des seuls. Συμπεριλαμβανομένου και των κινητοποιήσεών σας, γιατί για μας τους εργάτες, για μας που παράγουμε τον πλούτο, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο φόβος που δημιουργείται σε αυτούς που ζουν εις βάρος μας. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le sujet, quelle que soit la forme de la lutte, nos organisations seront toujours à vos côtés, avec les moyens qui sont les nôtres, mais parce que quand on vous aide à vous, nous savons que nous nous aidons à nous aussi, et encore une fois, hein, il n'y a rien qui ressemble plus à un travailleur d'un pays qu'un travailleur de notre pays. Et ça, camarades, ça nous donne une puissance, une légitimité pour aller au combat, que ceux d'en face, ils ne peuvent pas mesurer, parce que ça, ils ne connaissent pas, ils connaissent que la concurrence, ils connaissent que l'hypocrisie, la médiocrité, la mesquinerie. Sans nous, ils sont rien, on va tout leur reprendre, qu'on soit tranquille, on a trop de choses à gagner. Et finalement, si peu à perdre, plus qu'ils vous laissent, pour avoir peur d'aller à la victoire. Donc on va aller au combat jusqu'au bout, on va finir par les ruiner, ça prendra le temps que ça prendra, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. À la fin, c'est le travailleur qui gagne. Merci.
όποια και αν είναι η μορφή του αγώνα, όποια μορφή και αν πάρει ο αγώνας, εμείς ξέρουμε ότι όταν μας βοηθάτε, βοηθάμε και εσάς και αυτό μας βοηθάει στον κοινό μας αγώνα. Γιατί αυτή είναι η δύναμη των εργαζομένων. Και εμείς ξέρουμε ότι θα τα πάρουμε όλα πίσω. Έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο να κερδίσουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο τέλος κερδίζουν οι εργάτες.